fait, je me porte bien mieux sans toi.
Franchis la lumière, mon enfant, et mon temple te sera révélé. Thank you.
Tu marches maintenant sur les pierres de mon temple, où s'ouvrent de nombreuses portes. Sache que j'ai d'autres temples, car mon jardin est plus vaste que ce que ton œil peut percevoir. Sache que tous ces mondes, je les ai créés pour toi. Soit ainsi de notre pacte. Ces mondes sont à toi. Tu es libre d'y déambuler à ta guise et de les soumettre à ta volonté. Mais la grande tour t'est interdite, car si tu venais à y entrer, ta mort serait inéluctable. Thank you.
Thank you.
tu apprends. Tel est le but de ton existence. Mais tes choix doivent t'appartenir. Par conséquent, je ne vais pas te guider, à moins que cela ne soit nécessaire. Quand j'étais petite, un de nos profs, Madame Higgins, nous a demandé de faire une capsule temporelle, d'écrire des lettres pour le futur, afin qu'un jour, nous puissions nous rappeler ce que c'était d'être enfant. Je pensais que c'était stupide, donc je ne l'ai pas fait, et je le regrette vraiment. Donc, j'imagine que je vais en faire une maintenant, l'enterrer dans l'archive au lieu de sous un arbre. Je ne sais pas si quelqu'un la trouvera, mais il me semble important de continuer à parler, de continuer à penser aussi longtemps que possible.